Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un autre épisode de Trackmania Editor. Donc cette fois-ci sur le circuit Looping Jump. Voilà. Un peu une référence avec Moon Jump quand même, avec le grand saut au début. Voilà, donc ça c'est une idée que j'ai reprise d'un circuit de niveau rouge. Donc voilà, des petits loopings et des grands jumps, des grands sauts. Là j'ai fait une run qui est pas mal. Il y a juste un moment où je me fail. Il y a une fois où j'ai réussi sans me fail, mais le problème c'est que j'avais pas filmé à ce moment-là. Donc c'est un peu con. Et donc oui, par contre il y a un truc où je vais faire un coup de gueule, parce que bien sûr. Il y a un truc qui me saoule un peu dans le jeu, c'est que bah, quand on fait notre temps pour valider le circuit qu'on vient d'éditer, et bien après ça ne sauvegarde pas complètement le truc quoi. Après on revient sur notre circuit, on voit même plus notre temps. Je ne comprends pas, nous sommes quand même sur PC, hein, là où on peut voir tous nos fichiers de sauvegarde, je ne comprends pas. Ce n'est point possible. Ah là, je suis à 15 secondes d'avance, hein, c'est magnifique. Voilà, j'ai mis en fait beaucoup d'accélérateurs multicolores. Ceux-là en fait, enfin multicolores jaune, bleu et rouge. C'est miote. Voilà, la fin est complètement WTF. Et donc oui, ces accélos accélèrent au moins, je dirais, deux fois plus vite, ouais, deux fois plus vite que les axolos de base qu'on voit au début. Donc voilà, c'est un circuit plutôt sympa. Là, j'ai beaucoup d'idées, là. Je me suis amusé en créant ce circuit, hein, alors que l'autre me s'est un peu fait chier au début. Mais au bout d'un moment. Peut-être un peu au début aussi. Ah, magnifique looping. Voilà, vous voyez cette fluidité magnifique, ce 60 fps et ce 1080p. Mais oui, c'est tellement plus beau que sur Wii. Mais on s'en fout parce que c'est un jeu, c'est un Trackmania, donc le mieux c'est juste de contempler la créativité et pas les graphismes. Bien sûr. Alors, même si là c'est un peu vide, bien sûr, vu que c'est moi qui ai créé le circuit, hein, j'ai pas mis de déco. Ouais, c'est ici que j'ai fail. Parce que là, faut un peu reculer. Là, c'est un peu mal foutu. Hein, je suis désolé. J'ai un peu mal foutu ce passage-là. Ce passage-là, je l'ai un peu mal fait. Voilà, je freine un peu. Pour bien tomber, hein, pour pas être trop fail. Même si là, j'étais. Voilà, même si devant de la voiture était bien. Comment dire, la voiture. C'est bien redressé, hein. Le véhicule. La formula de la mort qui toutou. Voilà. Sinon, je comprends pas trop ce que ça signifie turbo 100%. Bah, c'est quand on est vraiment à donf. Je ne sais point. Et donc voilà, comme je disais dans la précédente vidéo, oui, je pense que je ferai un peu moins de... Ouais, les Trackmania Editor, franchement, il n'y en aura pas beaucoup. Prochainement, peut-être un peu plus l'année prochaine, hein, parce qu'il y a le nouveau Trackmania qui va sortir là sur PC, Xbox One et PS4, qui s'appelle Trackmania Turbo. Mais bon, on connaît Ubisoft. Le jeu sortira bien plus tard. De base, il disait qu'il sortait le 20 novembre, un truc comme ça, même pas. Bien sûr, bien sûr. Et là, genre, le 20 octobre, ils nous disent, bon, bah 2016 en fait, hein, début 2016. Après, ça va être fin 2016. Ah, c'est ça Ubisoft. Hein. Que voulez-vous?
Le seul jeu qui a pas fait ça, je pense que c'est Far Cry 4. Lui, par contre, il est vraiment sorti en avance pour le coup. Ouais, et puis j'ai peur pour le prochain Far Cry, par exemple, le Far Cry 5, là, le Primal. Far Cry Primal. Parce que bon, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de. De comment ? J'arrive plus à trouver mes mots. Il n'y aura pas d'arme à feu, voilà. Pas d'arme à feu dans un Far Cry. Où va le monde ? Tout simplement, où va le monde ? Attends, on sera dans la préhistoire. On combattra avec des lances, quand même. Dans un Far Cry ? C'est quoi cette blague ? On n'aura plus le plaisir de péter des tronches, de faire des headshots avec beaucoup de violence. Donc voilà, je pense que cette vidéo durera un peu plus longtemps parce que j'ai envie qu'elle dure un peu plus longtemps. C'est trop court, franchement, les Trackman Editor, j'aime pas trop ce format. Peut-être que je ferai, peut-être dans les prochains épisodes de Trackman Editor. J'essaierai de faire deux circuits en un épisode, peut-être, si je serais méga motivé. Et puis sinon, les Super Mario Maker, bah, je pense que déjà il y aura deux vidéos que j'essaierai de faire pour mes deux niveaux. Et puis, par la suite, hein, je sais pas quand je m'y prendrai parce que bon, j'ai pas mal de vidéos en stock aussi, de let's play bien sûr. Un esprit qu'il faut que je finisse, voilà, Rayman Révolution, jeu légendaire. Et donc, tout vous dire, je suis à la partie 7, et j'en ai posté que 3 parties. 2 ou 3, 3, je pense. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même un circuit avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de sons, et de looping. Ah, c'est juste ce passage qui est un peu mal fait par contre. On est obligé de se fail et de recommencer. Donc voilà, on continue. Là c'est un passage assez difficile avec le looping. Bon, il n'y a pas besoin de prendre une vitesse incroyable. Et puis le passage à la fin n'est pas trop dur par contre, hein. On prend bien le turbo et puis après on va à droite pour pas, enfin à droite de la pente, on va dire une espèce de tour là, qui pente, enfin, à droite pour pas se fail, et c'est good. Donc sur ce, je vous dis à l'armoyeur pour de nouvelles aventures et peut-être pour de nouveaux Trackman Editor, mais ça sera plutôt Super Mario Maker et Let's Play Rayman Revolution. Et une surprise! Mais je vous dis pas quoi. Donc, à la revoyure!